gauche. Prenez son flanc gauche. On va mourir aujourd'hui. Et son flanc gauche.
ordinaire, Ablette. Ça répand le défaitisme. La désertion. Allons, blablabla. Wow! Pas d'histoire. Oh! Monsieur, pourquoi ils sont tous bizarres, vous ? Tiens,
un sorceleur. Son Altesse le Roi Radovid. Bonjour. Alors, vous avez un défi intéressant à me proposer ? Vous êtes en veine, j'ai un travail spécial pour vous. Formidable ! Vous n'allez pas être déçus, croyez-moi. Jouons aux cartes, plutôt. Le Gwynt, par exemple. Thank you.
Rebonjour. Alors, vous avez un défi intéressant à me proposer? Jouons aux cartes, plutôt. Le Gwynt, par exemple. Rebonjour. Jouons aux cartes, plutôt.
langue vive, là, là. Hey, où vous allez? On avait assez de cette chaîne de vie. Une bête terrible rôde là-dessous. Dans les égouts. Vaut mieux pas y mettre les pieds. Elle a dévoré des dizaines de jouvencelles. J'essaie de lui sauver la vie. Aide-moi. Shani, calme-toi. Il est mort. On doit pouvoir faire quelque chose. Laisse-le. Mon sang! Tout ça pour rien. Tu as fait tout ce que tu as pu. Merci, Geralt. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. J'ai perdu ta trace après avoir quitté Vizima. Qu'est-ce que tu deviens ? Pour faire court, j'ai soigné les malades et les blessés, comme toujours. Principalement dans mon dispensaire à Oxenfurt. Mais en Redania, on me demande aussi d'aider l'armée. Je suis curieux d'entendre la version longue. D'accord. Commençons par sortir des égouts, alors. L'armée redanienne t'a forcé à venir patauger ici, ou tu voulais simplement visiter les égouts ? On a reçu nos ordres ce matin. J'étais accompagnée d'une escouade entière, mais quelque chose nous a attaqués. Ce soldat, tu le connaissais bien ? Il s'appelait Nols. Il partait en permission dans une semaine. C'est fichu. Et pour le reste de son unité aussi. Combien était-il ? Toute une escouade. 6 braves gars. Tous morts. Qu'est-ce qui vous a attaqué ? Tu as pu voir ? Non. J'ai pris mes jambes à mon cou dès qu'il est apparu. C'était énorme. Ça crachait du venin et ça faisait des bruits de langue. Sûrement pas un nécrophage ou une horde de noyeurs. Non. Cette chose était énorme, mais seule. Quelqu'un lui a lancé une torche. Le monstre l'a complètement ignoré. D'accord. Il ne craint pas le feu. C'est bon à savoir. Pourquoi t'ont-ils dépêché ici ? Enfin, si ce n'est pas une information confidentielle. Il me faut un échantillon de venin provenant de la bête qui rôde dans ces égouts. Elle ne fait pas que tuer ceux qui descendent ici. L'eau de nombreux puits est contaminée. Les gens tombent malades, dont des soldats redaniens. J'ai prévu de tuer la bête. Je t'apporterai un échantillon de son venin ensuite. C'est gentil, mais je préfère t'accompagner. Je prélèverai l'échantillon moi-même. Cette créature est dangereuse. Tu as pu le constater. Ah. Je suis une grande fille, Geralt. Je sais me débrouiller. N'essaie pas de m'en dissuader, je n'en ferai qu'à ma tête. Très bien. Comme tu voudras. Montre-moi l'endroit où le monstre vous a attaqué. C'est par là. La grille est toute tordue. Quelque chose de gros a frappé dessus, avec beaucoup d'élan. Je l'ai fermée en fuyant. Le monstre a dû la percuter. Content qu'elle est tenue. Il n'y a plus qu'à trouver un autre chemin. Ça vaut la peine de chercher dehors ? En fait, j'espère juste que le coup du monstre a affaibli un des murs. Attention, le monstre est peut-être encore là.
Les soldats de ton escorte? Oui, ce sont eux. Verne, Miklas. Oh, les pauvres. Cette bête ne fait pas dans la dentelle, apparemment. Ils m'ont sauvé la vie. Tu les connaissais bien? Lui, je l'avais rencontré ce matin. Mais j'avais servi avec Verne à la bataille de Dorian. Miklas venait de s'engager. Désolé. Quand tu auras tué la bête, il faudra envoyer quelqu'un récupérer leur corps, pour les enterrer dignement. Que s'est-il passé au juste? À notre arrivée ici, Miklas s'est mis à chercher des traces. C'est là que des noyeurs ont attaqué. Les hommes les ont vite mis en pièces, mais Franz a été blessé à la jambe. Je suis restée avec lui pour lui faire un bandage pendant que Nols montait la garde. La bête a surgi à ce moment. Nols m'a poussée vers la sortie et s'est jetée sur le monstre. Je me suis retournée et je l'ai vu étendu là, couvert d'une substance visqueuse. J'ai couru jusqu'à lui, puis je l'ai traîné jusqu'où tu nous as trouvés. Où était le monstre ? Miklas et Verne l'avaient attiré loin de nous. Ils l'ont payé très cher. Tu as pu voir ce qui vous a attaqué? Tout s'est passé si vite. Non, je n'ai fait que l'apercevoir de dos. Mais je peux dire qu'il était énorme et visqueux. Je dois inspecter le coin. L'homme que tu as soigné, il est là? Franz? Je ne le vois pas. Tu crois que le monstre l'a emmené? C'est possible. Le monstre s'est sûrement glissé par là. C'est profond. Le niveau inférieur des égouts est fermé depuis des années. Mais Verne, le commandant, avait un pass. Je vais voir si je le trouve. Geralt, tu n'es pas blessé? Je vais bien. Je peux pas descendre par là. Je vais chercher un autre accès. Sois prudente.
Geralt, tu n'es pas blessé? Je vais bien, et toi? Comment es-tu arrivé ici? Vern, le commandant, il avait la clé des grilles. Regarde, c'est Franz. Ou plutôt ce qu'il en reste. Ah, quel genre de bête peut faire ça? Ça brûle de noyeur ici. Ça a une importance? Eh bien, ça veut dire que notre monstre ne les attaque pas. Ils ont l'air de s'accommoder de ce qui rôde dans les égouts. Ils sont un peu en symbiose. Intéressant. Quoi donc? Franz s'était blessé à la jambe, c'est ça? Oui, juste au-dessus du genou. Tu avais appliqué quelque chose dessus? Un peu d'alcool, c'est tout. Pourquoi tu me demandes ça? Regarde, il lui manque la moitié de la jambe. Le monstre a dû la ronger. Les autres corps sont intacts, à l'exception des blessures dues au combat. Tu veux dire que la bête aime l'alcool? Oui, mélangé à du sang. Je doute qu'on apprenne autre chose ici. Il faut trouver son antre. Je te suis. Shani, attention, écarte-toi! Être loin. Des corps putrides, du mucus partout et cette odeur, ça doit être son antre. C'est frais et humide. La bête vient de passer. Je vais prélever l'échantillon. Tous les tunnels convergent vers ici. Et maintenant ? Je dois attirer la bête. Comment? On ne sait même pas de quel monstre il s'agit. Mais on sait qu'il aime l'alcool mélangé à du sang. Et j'ai justement de l'alcool sur moi. J'espère que tu ne vas pas te couper ou... Détends-toi, ça ne manque pas de cadavres, je vais en utiliser un. Tu as un échantillon suffisant? Je l'espère. Mais je voudrais quand même du venin pur une fois que tu auras tué le monstre. Pour distiller un antidote? Ce sera inutile une fois la bête morte. Détrompe-toi. J'ai des patients qui ont été empoisonnés. Et puis, je pourrais étudier le venin, le tester, voire lui trouver des propriétés intéressantes. Je vais me mettre au travail. Je doute de t'être utile au combat, mais tu pourras avoir besoin de moi après. Je vais me trouver une cachette. Tu ferais mieux de m'attendre à la surface, ou chez toi. Mais... Pas de mecs qui tiennent. Attends dans le passage si tu veux, même si ça ne me plaît pas. Mais quand le monstre sera là, cours jusqu'à la surface. Bon, très bien. Regarde-moi, Shani. Promets-moi de ne pas t'en mêler. C'est promis. Bien, maintenant cache-toi. Sois prudent, Geralt.
Oh.